Le monde, bonsoir. Bonsoir, moi je me présente, moi c'est Vili Téné. Je suis le promoteur du projet Téné Shopping. En fait, si j'ai fait cette petite vidéo, c'est justement pour vous présenter l'intégralité de la plateforme Téné Shopping. Je vais d'abord vous présenter l'interface de la plateforme Téné Shopping. Ensuite, je vais vous présenter les différents devises que nous avons sur la plateforme Téné Shopping. Je vais vous présenter les comptes vendeurs, les comptes investisseurs et enfin les différents services que nous avons sur la plateforme Téné Shopping. Bien, sans toutefois tarder, vous savez que le temps est très précieux pour chacun. Je dois aller un peu plus rapidement possible, étant donné que la chargée de la communication a déjà fait des vidéos sur des points clés de l'entreprise. Et je pense que je dois aller d'une façon un peu plus rapide. Et pour une personne qui aimerait entrer en possession de ce tutoriel-là, n'a qu'à nous suivre sur nos différentes plateformes et réseaux sociaux. Et puis, il aura en son sein tout ce qu'il a, tout ce qu'il aura besoin pour pouvoir être à jour et pouvoir comprendre ce que nous sommes en train de vouloir faire. Merci. Ici, là, comme vous voulez voir apparaître sur votre écran, ça, c'est l'interface de la plateforme Téné Shopping. Ça, c'est l'interface. Et nous avons déjà plus d'une quarantaine de boutiques qui ont été créées récemment et qui sont en train de travailler pour pouvoir lister les produits en ligne. Et il faut noter que la plateforme Téné Shopping est une plateforme où la langue par défaut, et c'est l'anglais qui est la langue par défaut et la devise par défaut c'est le français CFA. Puisque le projet Téné Shopping est un projet international, est un projet qui veut vraiment faire beaucoup de choses. Et nous avons défini lors du codage les interfaces qui pourront nous permettre de pouvoir dans l'avenir pouvoir s'installer facilement. Je vais vous présenter ensuite les différents devises que nous avons actuellement sur la plateforme Téné Shopping. Et pour ce faire, je vais me loguer dans mon compte vendeur. Là, je me log, je me connecte dans mon compte vendeur, dans mon compte, et puis là. Ici, nous avons l'interface du compte vendeur. Et vous avez remarqué que mon compte est en... La monnaie est en dollars maintenant. Toute la monnaie est en dollars. Mon compte, la plateforme s'est transformée en dollars dès que je me suis connecté sur la plateforme Téné Shopping. Justement, ça s'est transformé en dollars parce que lors des recherches que j'ai effectuées, j'ai voulu que la plateforme soit en dollars, puisque c'est en dollars que moi j'utilise pour faire des interactions sur la plateforme Téné Shopping. Là maintenant, on a trois devises pour nous. On a le franc CFA, on a le dollar et on a le USDT. Le USDT, c'est quoi? Le USDT, c'est une crypto-monnaie, une stablecoin. Une monnaie stable que nous utilisons sur les plateformes d'échange des crypto-monnaies pour pouvoir acheter des crypto-monnaies. Et bon, ici là sur la plateforme Téné Shopping, nous allons utiliser ces crypto-monnaies maintenant pour pouvoir recharger le compte et acheter les produits en ligne. Acheter un produit ou un service en ligne. Donc ça sera très easy et ça sera très très nickel. Bon, en ce qui concerne les comptes vendeurs, nous avons ici l'interface du compte vendeur. Ça, c'est l'interface, ça, c'est le dashboard du compte vendeur. Et ici, nous avons les produits qui ont été listés, les différents produits qui ont été listés sur la plateforme. Ce sont les différents produits qui ont été listés sur la plateforme. Et ici, ça, c'est l'interface pour ajouter un produit sur la plateforme. Si tu as des produits que tu vas ajouter, tu vas signer l'interface pour l'ajouter.
produit. Et ici, nous avons les ordres. Nous avons les différentes transactions qui sont déjà passées au niveau de la plateforme. C'est ça ici. Et ici, maintenant, nous avons les différentes ventes. S'il y a une vente, s'il y a une annulation du produit, s'il y a les produits sont en attente, voici là où ça s'affiche. Et ici, en bas, nous avons les différentes transactions. Ici, là, sont les différentes transactions des recharges, des retraits et des souscriptions qui ont été, que vous avez déjà pu faire en ligne. Donc, ça, tout ça apparaît ici-là. En ce qui concerne le compte vendeur, le compte investisseur temporaire, le compte investisseur est simple. Donc, ici, là, pour le moment, nous avons un seul stock, mais on aura plusieurs stocks d'investisseurs. Et pour ce faire, pour investir dans l'entreprise de Shopping, il faudra se rapprocher auprès des responsables de l'entreprise ou se rapprocher auprès de l'entreprise pour contacter l'entreprise directement. Ce sera mieux parce qu'il y a des contrats d'investissement et puis il y a tout ce qui va avec, tous les paperasses qu'il faudra ajouter dans tout ça, qu'il faudra qu'on mette à la disposition de chacun. C'est un truc professionnel. Pour que vous puissiez accepter ou refuser d'investir dans l'entreprise de Shopping. Bon, en ce qui concerne les services, nous avons déjà plusieurs services qui sont disponibles. Les services qui sont disponibles, on a l'entretien et conseil d'orientation pour la création d'une entreprise, on a le montage de vidéo et le traitement d'image, on a le community manager, on a consulting et on a la maintenance des caméras et vidéosurveillance et puis on a le commerce général. Donc c'est un peu ça briefé l'intégralité de la plateforme Teleshopping. Et moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que restez connectés parce qu'il y a du nouveau qui arrive, il y a beaucoup de choses qui arrivent et nous sommes en train de travailler ardemment pour que cela soit objectif. Merci.